Wesh les jeunes. Comment ils vont? Si je faisais inverse ce coup-là. Ça va, ça va. Ça, c'est de la ponctualité, ouais. Non, ça me plaît pas. Je vais interchanger. Deux petites secondes. J'arrive. Coucou du Maine-et-Loire. Eh ben, coucou du Canada. Tu as acheté YouTube Premium? Non, j'ai mis Adblock. Suis un grand malade. Comment qu'ils vont? Suis crevé. Je suis mort. Bon, on regarde. On va regarder Denis Gallois, parce que tout le monde. Je ne l'ai pas mis, mais. Si, bah si, je suis con, j'ai mis une miniature. Putain, je suis éclaté. C'est encore le breton. C'est Geek and Fit derrière. Le pauvre. Le pauvre Geek and Fit. Alors, disclaimer. Parce que ma femme m'engueulait à chaque fois. Je n'ai rien contre Denis ou Lucas. Merci. Donc tous ceux qui vont me dire dans la vidéo YouTube en commentaire, je m'en branle. Voilà, comme ça c'est dit, c'est passé. Salut tout le monde. Bon, on attend encore un petit peu. Et puis on y va. Je sais pas ce que ça va donner. Merci, petit poussin musclé. Le poussin musclé, pas le petit. On veut l'e-book d'eau. Alors, il y a un autre projet qui arrive dans un mois et une semaine, je crois, maintenant. Je bosse dessus depuis un moment. Ça va arriver. Normalement, ça va aider absolument tout le monde. Toutes les bourses. Un indice. Je vais faire ce qui n'a jamais été fait en France. Je m'en branle. C'est vous qui fout le body. Salut Christian. Non, ouais, je vais faire un truc qui n'a jamais été fait en France. E-book d'Oron. Et j'espère rallier le plus grand nombre de personnes pour que on puisse évoluer. En fait, c'est surtout ça. Alors, j'ai pas la prétention de faire évoluer moi tout seul la musculation en France. Hein, attention, c'est juste que plus on sera nombreux, évidemment, mieux ce sera. Ça va, merci, toi. Bon, on y va? Bon, on attend 30 secondes encore. Tu vas t'enduire le corps d'huile d'olive. Un concours. Non, pas un concours. Attends les 5 minutes, puis on y va. Je sais pas ce que ça va donner, cette vidéo. Hein. Je vous avoue que je n'ai jamais regardé une seule des vidéos de Denis.
J'avais du mal déjà à être d'accord avec ces TikTok. Enfin, disons que c'est pas que j'avais du mal à être d'accord, c'est juste que je crois qu'il n'est pas coach, donc forcément il se base sur lui. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, s'il est coach. Il se base, j'ai deviné une salle de musculation pour nudistes. C'est que ça existe. Hein. Il se base sur lui, donc forcément il est coach. Merde. Mais est-ce qu'il est coach de métier ou il est coach par défaut? C'est la question. Telle est la question. Telle est la question. Est-ce que tout le monde voit? Je dégaine la carte bleue. Meilleure leçon, ouais, c'est parce que je me suis approché. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de régler tout ça encore. Grec une frite. Merci, Tom. Alors, dites-moi si vous avez le son. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? Ok. Ça bug. Partager l'audio. Et là. Moi j'entends, je vois. Pas de son. Oh, ça va me plaire. Pour rattraper mon retard PEC, combien de séries? Allez, mon fils. C'est une bonne question, je me souviens plus exactement. Pourquoi vous n'avez pas de son? Pas de son. Ça va me plaire. Pourquoi diable? Pourquoi il veut pas partager l'onglet? Oh, il casse les couilles. Ah, attendez. C'est good, c'est pas good. Putain! Pourquoi je peux pas? Et là, le partager, il est en grisé. Pourquoi il veut pas? Wait. Non, c'est pas mon casque. Normalement, vous avez le son aussi. Oh, ça va me plaire. Ouais, j'entends dans mon casque. Et alors?
Normalement, le dernier coup, j'entendais dans mon casque et il l'avait aussi, Clara. Wallah. Partager l'onglet. Ah, pardon, c'est là. Je suis un débile. Séance moitié partagée avec. Oui, non, non, oui. Ah, t'es le meilleur. c'est vrai, je suis le meilleur. Bon, allez, Zou. Attendez, parce que ce coup, il m'a arraché les oreilles. Lucas, juste là-bas. Entre frérots, on commence avec un mouvement du coup d'épaule. Donc élévation Y et élévation avec les bras qui passent derrière le dos. Un drop set mécanique, du coup, position raccourcie, position étirée pour le faisceau latéral. Et Lucas, lui, commence avec des fentes bulgares Non, une sur rediff, ouais. la Smith la plus lourde. La giga Smith. Alors, jugez pas mes petites plaques de merde là. C'est pas ma faute, c'est juste qu'elle est lourde de ouf. Ouais. C'est quoi, c'est une Smith Arsenal? Si c'est une Smith Arsenal, c'est normal. La gamme Arsenal est archi lourde de chez lourde, mais de partout. Tout, toute la gamme. Moi, je vais te donner un Pas fun de jugement. fact. Ouais, c'est du Arsenal. Je vais te donner un fun fact sur celle-ci. Je ne partage jamais mes paires dessus parce qu'elles sont vraiment ridicules. Et c'est vrai. Cette Smith, elle rigole zéro. Elle est vraiment turbo lourde, Elle quoi. te nique ton ego. Et en parlant d'ego et de split squat, je pense que c'est l'exercice où généralement les gens ils. Ah, même avis, les gars, le T-bar de chez Arsenal, Antoine Vaillant, il met deux plaques, il en peut plus. Vraiment, le truc, il est archi lourd. Je sais pas pourquoi toute la gamme est comme ça. Vraiment, c'est un avant-après. Seb, tu commences pas. Ils oublient que le cerveau existe, tu vois. Donc ils se disent, je vais me rapprocher de mes paires de squats sur le split squat parce que ça va faire bonhomme. Mais comme toutes les charges ou enfin tous les exercices où tu adoptes cette mentalité, bah, ta technique, elle se casse la gueule totalement. Donc si tu as envie de créer un trampoline genou à ta guise, mais tu sais que tu pourrais faire bien mieux en étant bien lourd, bien moins lourd, tu vois. On va pas faire les nerds maintenant parce qu'on va le faire après bientôt dans un podcast, mais regarde un peu toutes les Tout est compositions lourd. d'une série de travail. Il n'y a pas que la charge là-dedans, tu vois. Donc tu peux avoir une meilleure amplitude, pourquoi pas. Fais plus de reps avec moins de charge, pourquoi pas. Ça t'évitera de perdre ton genou après 3 semaines à essayer de faire champion du monde de split squat, tiens. C'est vrai. Donc ouais, voilà, tu vois. Tout ça pour me trouver une excuse à mettre cette petite plaque de merde, tu vois. Tout ce qui compte, les gars, à la fin de la journée, c'est d'avoir un gros cul en faisant du split squat. Peu importe comment tu le fais, si tu fais les choses dures, tu t'éclates le genou, c'est super lourd, mais que t'as pas de cul, bah t'as perdu. Ouais. Donc c'est la taille du cul qui compte, c'est pas la technique pour l'avoir. L'exo, position full raccourci, j'ai jamais compris. Vraiment, j'ai jamais compris. Yeah, all right, okay. We get it. No contest. Yes! T'as chié dessus ou quoi? J'ai fait 12. Moi j'étais en crucifix. 4. En behind. Let's go mon dodo. Your turn. Ouais, bah de toute façon, le split squat, c'est pas forcément pour le fessier, ça dépend comment tu le fais, hein. Par exemple, moi pour Hugo Daven, je le fais faire pour son cul, mais c'est juste un exo en fin de séance quad pour qu'il touche un petit peu son fessier, mais c'est tout. Et puis si vous descendez pas très bas, bah, vous serez que sur le quad. Yes! Ah. Prochain exo cable press, Lucas toujours sur la Smith. Yes! Oh, c'est fou, c'est fou. Tout est dans la tête. Ouais. Ah, c'est clair, j'utilise tout le momentum possible pour remonter. T'es en mode la rep là. Ouais, je fais que du long sur le. En fait,
Alors, je peux le dire à la caméra, ça. La seule et unique technique d'intensification qui vaut la peine d'être regardée, c'est le respose. Par contre, il faut se mettre des limites parce que toute technique... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Toute technique d'intensification qui vaut la peine d'être regardée, c'est le respose. Pourquoi ? Sur quoi il se base ? Ça m'énerve. Toute technique d'intensification qui mérite d'être gardée, c'est le respose. Pourquoi ? Vous voyez, c'est cette vision-là un peu fermée qui me dérange. Par contre, il faut se mettre des limites parce que toute technique d'intensification a un coût, c'est la fatigue. Tout ce qui vous empêche de progresser, c'est la fatigue. Donc, il faut faire vachement gaffe, donc il faut se mettre des limites. Typiquement, là, j'aurais pu continuer. Si tu me dis, aujourd'hui, tu ne fais qu'une série de split squat, Lucas, je vais t'en faire 5-6 des respos parce qu'il n'y en a qu'une. Je m'en fous de la fatigue. Après, je me barre, on va manger un barbecue. Sauf que là, j'ai plein de choses à faire après. Donc, je me cap mes respos à deux. Donc, vous m'avez vu faire première partie de la série, un respos. Je ressens mon souffle, je me reprépare, je rebrace, boum, je repars, je fais un deuxième respos. Et là, je termine ma série là-dessus. Ce qui fait que je fais 10 reps d'affilée, mais en fait, à la fin de ma série, je me retrouve à 17-18 reps grâce aux deux respos. Donc, je double le nombre de reps que je fais en incluant des respos dans mes séries et je fais ça pour tous les exercices que je fais. Il faut juste se dire, il y a un coup, c'est de la fatigue, donc il faut le prendre en compte dans tout son programme, notamment si on le fait partout. Cependant, je pense que si tu compares les deux méthodes, typiquement garder 8 répétitions en réserve sans respos ou en faire 8 de plus, je pense qu'il n'y a pas photo. Et là, ça me dérange parce que... Enfin, ça me dérange. En fait, si vous êtes débutant, le respos, je vous le déconseille. Vraiment, je vous le déconseille. Déjà, d'une, parce que votre technique est pas forcément optimale. Et si vous faites un respos, vous allez aller loin dans l'effort et la technique sera encore plus dégueulasse et vous allez potentiellement vous niquer. Donc, le respos, oui, mais c'est une technique d'avancée. Il faut absolument les utiliser, ceux-là, parce que ça change tout à un physique. Et je tiens ça depuis le début, grâce à Super Physique. Je l'ai appliqué depuis toujours et je suis sûr que... D'ailleurs, Super Physique le dit, je crois, que c'est une technique pour les avancées. Que quelque part, si jamais l'entraînement doit avoir sa place, c'est ce qui a fait que j'ai réussi à me faire un physique assez rapidement, sans non plus me blesser, parce que ça reste super safe de respose, contrairement à tricher de façon incontrôlée, abusive, on va dire. C'est vrai que bah là, je suis pas d'accord. Parce que si votre technique est mauvaise ou aléatoire parce que vous êtes débutant, le respose va pas vous sauver. Hein. Les méthodes d'intensification aujourd'hui, il y en a un grand panel, mais encore une fois, ces méthodes d'intensification, c'est des outils. Et ce n'est pas parce que tu as une caisse à outils qui est pleine d'outils que tous les outils valent le coup d'être utilisés. Et il y en a certains qui vont être plus intéressants que d'autres. On va prendre l'exemple du respose. Le respose, c'est un peu la clé à molette. C'est la technique d'intensification, l'outil du coup que tu peux utiliser souvent et un peu pour tout. Mais on va dire les répétitions trichées, par exemple, les cheat reps, etc., qu'on voit beaucoup sur les réseaux, ça ne va pas du tout être le cas. C'est le genre d'outil que tu veux utiliser beaucoup moins fréquemment et que je ne fais pas d'ailleurs te conseiller trop d'utiliser parce que le ratio en fait bénéfice par rapport au risque va être ultra désavantageux. Tu as plein de techniques d'intensification qui sont plus intéressantes et encore une fois, tu n'es pas toujours aussi obligé d'utiliser des techniques d'intensification. Vois toujours ça comme un outil, il faut l'utiliser ponctuellement quand du coup tu as un besoin et que tu as besoin justement d'utiliser cet outil. C'est totalement vrai, ça c'est tout. Tellement vrai. En plus de ça, il parle des reps forcés. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, les gars, les reps forcés, comme quoi vous allez faire une répétition. D'ailleurs, il le fait souvent. Mais les reps forcés, enfin les vrais reps forcés, vous êtes par exemple sous la barre de développé couché et qu'il y a votre pote qui vous met les deux doigts là, et qui essaye de vous pousser la barre tranquillement, ça, c'est caca. Ne faites pas ça. Aujourd'hui, la situation... Comment il triche et sur quel exo c'est important aussi. Je dirais pas forcer mes reps sur des benches sans assistance, c'est logique. Oui, voilà, évidemment, il y a de la logique derrière. Exceptionnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aussi un peu abuser de ces drop sets ou de ces respos parce que la situation est exceptionnelle. Mais en temps normal, il faut savoir aussi les quantifier et bien sûr bah, les traquer dans vos entraînements. Quoi. Bon, ça nous fait prendre des temps. Ça, c'est vrai. Le problème des reps forcés, c'est que vous ne pouvez pas les quantifier. Un coup, votre ami va soulever la barre avec 2 kilos. Dead, puis la semaine suivante 5, ça n'aura pas de sens. Donc ne faites pas de rep forcé. Repos un peu trop long, mais bon. C'est une moyenne de 8 minutes par jour. t'as déjà sorti le débordeur quoi. Deuxième exercice. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû être un peu plus pump,
mais on va mettre des pins du coup pour aller un peu plus loin que ce que la machine peut nous donner, avec du coup les super pins. C'est pas des 10 kilos, ça, c'est des 20 kilos, c'est impossible. C'est ouais, archi lourd, bordel. Bah, en fait, vu comme tu sais, la charge est répartie sur une toute petite ouais, surface, ouais, tout de suite, t'as l'impression qu'il faut. Au niveau du grip, c'est dur. Hein. Tu vois, c'est juste pour une chauffe. Les reps où on pose la barre 15 secondes et on en refait 2 ou 3, ça sert à rien. Si, ça peut avoir du sens, mais encore une fois, si tu as un niveau assez avancé. Sinon, non, je te le déconseille. Deux doigts, c'est caca. Quelqu'un a enregistré. Juste pour une chose. C'était le SAV Cybex qui est comme ça. Cluster, ouais, ça peut être un cluster, ouais. Tel qu'il l'a écrit, ouais, ça peut être un cluster. Un cluster, ça peut être très intéressant sur un point faible. Mais il y a une manière de l'utiliser. Enfin, il n'y a pas une manière. D'ailleurs, il y en a trois. Ouais, trois. À la vidéo. C'est ce qui me dérange beaucoup dans ce qu'il dit à chaque fois. Lucas, pardon. Pas Lucas, Denis. C'est que là, ce mouvement-là, on est sur une grosse flexion. Si moi, je fais ça, par exemple, je sais que c'est un adepte des prises serrées. Des prises de neutre aussi. Si moi je fais ça, vous pouvez être sûr que je prends tout dans les triceps. La flexion de coude pour moi elle est beaucoup trop grande et j'aurais du mal à avoir un bon étirement et un bon recrutement des pectoraux. Une presse au câble comme par hasard. Tu fais référence au réel avec Christophe, Christian je vais dire. Ouais, à mon avis, ça va être ma charge de travail, ça, Lucas, tu vois. Et encore, je suis même pas sûr de voir ce que ça va être. Alors, en plus, je fais pas l'exercice le plus passionnant au monde. Avec plaisir, Charles. Heureusement que j'ai un beau pantalon. Y'a pas d'eau, bordel. C'est le pantalon qui fait tout. Ouais. Regardez-moi ce beau pantalon. Soubi l'eau. T'as pas l'air en plus pour moi. Ouais. Toujours. Attends. Putain, oui. Ça va partir en. Oh là là. Gun deal style, hein. C'est le moment où on va se rhabiller avec Rémi, par contre. Ouais, y a un mélange de générations, les gars, vous n'imaginez même pas. Sick cunt. Galois et Guntil. T'as trois gènes dans un accoutrement. Il met quoi dans sa banane? Vraie question. Qu'est-ce qu'il y a dans sa banane? C'est le hog fit le plus anabolique qui soit. C'est ça. Bah, du coup, regardez, je vais vous montrer, d'après moi, ce qu'est des bananes. Une série bien réalisée. Rythme, du gestion du souffle, pause, effort. Pourquoi pas? En vrai. Yes. Allez. Ah, Lucas. Prise d'air avant de se mettre sous tension. Alors, les gars, si vous pensez qu'ils sont dopés, quand même. Important. Non, mais moi, ça me gênerait. Il va faire du split squat comme ça avec une banane. Ouais. Bah Lucas il a fait de belles scènes hein. Il y a un palmarès, il a fait de belles scènes. Yeah. Il tourne pas au Clembu. Non, je ne pense pas. T'as déjà vu Lucas gras? Je pense qu'il a des facilités à être sec. C'est comme mon client qui concourt ce week-end, que vous avez certainement vu dans ma story passée la semaine dernière. Ce sont des mecs qui sont nés pour être secs. Hey. Yeah. Yeah. Et du coup, tu vois, j'aime pas forcément sur certains exercices aller à zéro. Donc là, ce serait pas une série qu'on considérait un vrai échec. Sachant que tu me dis, Lucas, il y en a qu'une, je t'en fais probablement deux en plus. Donc là, ce serait ma vision, mon interprétation selon mon schéma de travail avec les respos. Allez, deux et rien, je pense. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre
à la légère non plus les répétitions hasard. Parce que regarde, un 2 RIR, ce que c'est quand tu as l'habitude de faire un exercice. Je suis au sol, bon. Par contre, ouais. Et du coup, l'autre jambe, bah, peut-être qu'il l'a fait après ou peut-être qu'il l'a fait avant. Il y a plusieurs manières de travailler aussi quand vous faites ce genre de mouvement en unilatéral. Ça demande tellement de cardio que vous pouvez très bien prendre quelques minutes entre chaque jambe. Ce ne sera pas un problème. Mais il faut maîtriser. Ouais, si tu mets un zéro là-dessus, bah, je t'en fais deux. Quoi, en fait, hein. C'est pour ça que les gars qui s'entraînent à zéro, qui font un peu moins de volume de série que des gars qui s'entraînent comme moi plutôt à deux. Et c'est normal parce que ce n'est pas une vision des choses différentes, c'est une conséquence en fait, tout simplement. C'est vrai. Tu ne peux pas faire plus. Parce que tu aimes être à zéro, donc tu fais à zéro, du coup tu fais un peu moins de séries. Tant que tu kiffes et que ça fonctionne, pas tout. Enfin, c'est pas qu'il a raison, c'est je suis d'accord avec lui. Je pose pas plus de questions en fait. C'est pas parce qu'une série va avoir des répétitions de réserve qu'elle va pas t'exploser la gueule. Je veux dire, oui, tu peux avoir zéro RIR, et le fait d'aller à zéro RIR, ça va avoir une conséquence sur la fatigue que va engendrer ta série. Si tu gardes un peu plus de répétitions de réserve, forcément ça aussi, ça va avoir des conséquences et tu vas devoir ajuster différemment. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu vas t'entraîner à 0 RIR, à 2 RIR, à même parfois à plus, à 3-4 RIR, que ça va pas être une mauvaise stratégie pour du coup prendre du muscle. C'est totalement vrai. Bah, tu vois, je le trouve, je te dis, tu vois, comme si tu m'écoutais, je le trouve vachement plus nuancé que dans ces réels. Là, d'accord. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. En muscu, plein de choses marchent. Il faut juste que ça soit adapté correctement. Et encore une fois, même si tu as 2 RIR, ça peut paraître beaucoup. Mais crois-moi, une série avec vraiment 2 RIR, ça arrache la gueule. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai. Ça arrache la gueule de ouf. Fais ce que t'aimes, bro. Attention à ce que tu fais, Denis. Hein. Et on vous conseille, enfin moi personnellement, en tant que coach, je vous conseille de rester toujours à 2 RIR. Moi, j'appelle ça des rires. Ça me fait rire. Déjà, d'un point de vue fatigue nerveuse, ce sera bien plus facile pour récupérer. Attention, parce que là, ça y baisse, hein. Le plus fatigant, c'est de transporter les toits. C'est vrai qu'en réel, bon, déjà, forcément, le format est court, c'est difficile d'être nuancé. Mais là, je préfère de loin. Sa façon de parler est insupportable. Enfin, ça, c'est propre à chacun. Les réels imposent de faire des raccourcis. Ouais, bien sûr. Mais quand même, rajoute quelques secondes pour nuancer. On dirait des mécanos. Allez hop. Le film plastique sur le banc, par contre, c'est bien. Ça a protégé sa céleri. La technique me dérange. C'est moi, il y a une épaule plus haute que l'autre, à droite. C'est peut-être l'angle. Super. Oh, yes! 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 Ouais, je suis pas fan non plus, je vous avoue. Même si je suis dans une grosse salle, même les plus gros, avec les plus grosses charges, ne crie pas. Bon, après, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Pauvre Cybex. J'ai gagné une rep déjà. J'avais au moins 2 reps de réserve et j'ai ajouté 12 kilos en plus par côté. Et ça, c'est grâce à mes deux frères qui étaient présents ici. Ouais, non, ou au fait que tu ne t'entraînes pas suffisamment fort quand on n'est pas là. Ma première pensée, c'était « Mais qu'est-ce que tu as branlé les jours précédents ?» Et puis après, je me suis dit « Ah oui, l'environnement aujourd'hui. Oui. » Ouais, l'environnement, c'est genre méga important. J'ai fait un vlog où j'ai fait ce mouvement-là avec bah, du coup les fameux 12 kilos de moins. Et tu vois, j'avais pas autant de marge, tu vois. J'avais pas autant de marge. Et aujourd'hui, ouais, je suis chaud. J'ai mangé des frites avant. Ouais, c'est frites. Putain, je sais pas comment ils font. Moi, je mange ça là, avant une séance, mais je meurs.
J'ai zéro énergie. Frit everyday. Ouais, personne ne crie au plus. Alors, t'as peut-être jamais entendu Clara, mais il y en a un ou deux qui gueulent, mais pas à ce point-là. Je t'avoue que ça n'a jamais été à ce point-là. En plus de ça, c'était pas des gros bodies, c'était l'autre taré, là, avec sa coupe. Vous connaissez pas, mais un peu malade. Et puis, ouais, elle, juste l'ambiance. Je fais l'exo, bah, du coup, avec mon frère. Lucas, mon deuxième frère, est là. Et voilà, tout est réuni pour exploser mes perfs. Mon prochain exo, on va faire un tirage. Ah, c'est une Watson ? Je crois que c'est une Watson. Si c'est une Watson. Ça, les gars, c'est The Machine pour un lat pull-down. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Je la tryhard dans la salle. Vertical, cette fois-ci, on s'y met tous les trois. Seb, tu es misquin ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi ? C'était un peu lourd ? Je crois que c'est un peu lourd, c'est déjà le premier calé, mais c'est 6 en fait. Bon, je vous donne mon avis quand même, mais le mouvement me déplaît beaucoup. Le haut du dos est arrondi. L'axe de la poulie du tirage n'est pas forcément bon. Ce genre de mouvement, ça me dérange beaucoup. Enfin, ça me dérange. Disons que je trouve pas ça optimal. C'est intéressant de... No open chest. Bah, voilà. Intéressant de checker, tu vois. Regarde. La base d'un mouvement... la base, comment ? Du grand dorsal, c'est d'ouvrir la cage. Hein. Il est là pour ça, de base. Regardez ce que tu fais pas. Regardez ce que naturellement tu viendrais pas penser à faire, typiquement moi avec mon histoire de hanche, tu vois. Mouvement du scapula, il est pas nécessaire si tu veux que ton lat. Si j'avais pas d'adducteur, c'est pas que j'ai une génétique de merde, c'est que je suis un connard qui sait pas s'entraîner en fait. Réellement, mais c'est vrai que. Quelles affaires à nous expliquer. Au final, bah, c'est parce que morphologiquement, je suis un cow-boy, donc je me place comme un cow-boy. Et il a fallu que je me fasse une psychologie inversée en mode, c'est pas qu'est-ce que je fais de mal, c'est... Ça, les gars, faut absolument que je fasse cette vidéo, Clara. Ça, c'est une abomination. Ça aussi, d'ailleurs, juste en dessous. Ça, c'est bien. Mais il est équipé, mais... Alors ça, par contre... Et qu'est-ce que je fais pas, en fait, tu vois. Et j'ai compris. Et là, typiquement, sur les grands, c'est pareil. Je suis fort ici, je fais du unilatéral, flexion oblique. Au final, tu as des mouvements de merde pour mettre une rep, un kilo. Alors, il faut avoir évidemment un certain... ouais, les mags aussi, c'est une saloperie. Il faut avoir une certaine liberté de mouvement pour progresser. Mais il faut garder le principe de base, c'est-à-dire étirement, contraction... C'est juste, si tu veux une bonne liberté de mouvement, prendre l'élan plus qu'autre chose. Kick et tout, super exercice sur un angle qui est high, sur un angle qui est un qui est high, un qui est medium, un qui est low. Oh, celle-là, c'est encore pire. Enfin, c'est pas que c'est encore pire. L'idée est très bonne parce que tu peux orienter en fait ta main, mais c'est une saloperie. C'est une saloperie, vraiment. Tous les exercices et tout, mais celui qui est un peu déconseillé dans les livres, behind the neck, parce que je le fais pas, quel muscle je n'ai pas, celui qui est particulièrement travaillé quand tu fais des tractions, tu vois. Donc bon, de temps en temps, moi ça m'a fait deux wake-up calls, pareil pour les mollets. Bon, tout le monde s'en fout des mollets, je suis d'accord, mais j'ai compris pourquoi j'avais pas de mollets. Comment ça, tout le monde s'en fout? Il est fou? Pourquoi les poignées vertes sont pas ouf? Eh ben, je vous le dis pas, il faut que je fasse en vidéo. Mais l'idée est très bonne. Mais il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est parce que je suis un connard qui ne savait pas les travailler non plus. Et je ne vous parle pas de tempo, je vous parle de position sur la plateforme pour étirer son mollet correctement. Tu vois, l'idée des mollets, tu te disais, si tu mets les pieds vachement en arrière, tu vas avoir un peu plus de stretch si tu ne mets pas ton pied complètement sur la plateforme. Mais en fait, pour un connard, j'ai tiré que cette magnifique partie interne de mes mollets. Donc, du coup, j'avais des gros mollets, tu vois, quand tu fais comme ça, tu dis putain, lui, il est de ouf et tout. Regarde comment je me mets ici. Oh, moi, cette sauterelle là. Hein, ouais, et puis au début, je me disais morpho-anatomiste parce que j'ai des longs tibias. Non, c'est parce que je suis un connard qui ne savait pas les travailler. En mettant mon pied un peu plus loin sur la plateforme,
bah, tout d'un coup, j'arrivais à étirer cette partie du mollet, le deuxième, tu vois. Et tout d'un coup, bon, là, je me dis que j'ai des mollets de merde, mais normalement, c'est encore pire que ça. Donc, ça finit, ça continue à bouger. Mais ça rejoint en fait un point où, quand tu fais une programmation, tu ne peux pas mettre tout dans ta programmation. Non, et en fait, c'est là où la rotation de tes exercices et la rotation des angles en fonction des plans devient intéressante. Au final, pour résumer avant que tu passes sur cette série, Lucas, mm-hmm. on pourrait dire qu'il n'y a pas de mauvaise morphologie, il y a juste des façons différentes d'adapter ton programme. Ouais, ouais. Toujours. Ouais, parce que là, du coup, tu fais le focus sur ton grand rond, mm-hmm. et après, du coup, tu vas dire « Ah putain, mais il y a un grand dorsal, la partie ouais, basse du grand dorsal. » Ah, je vais remanger fait... un tacle. Ouais, voilà. Ah, je vais remanger un tacle. Le grand rond. Le muscle le plus travaillé quand vous faites le dos. Alors, n'y voyez aucune attaque personnelle, mais on m'a envoyé l'avant-après de... Comment il s'appelle ? Florian Poisson. Si vous observez son avant-après sur Instagram, il a pris de la largeur du dos. Il a tout pris dans le grand rond. Le grand dorsal ne s'est absolument pas épaissi. Et ça, c'est ultra dommage parce qu'il a une excellente génétique, même pour le dos. Mais l'épaisseur sur le bas du dos n'est pas venue. Il a tout pris dans le grand rond. Tac, magnifique. Mais c'est bien aussi. C'est ce qui me donnera envie de mettre mon année 2025 ailleurs. C'est cool, tu vois. Parce que vraiment, si tu fous là, Anto, tire-toi de là. Je focus ma chaîne post, je focus mes pecs et tout. Je fais des mosses muscle art d'enfant. Hein, je vais chez Gundy, je me fais tac. Bah, Stéphane, pour le coup, Stéphane, la génétique est encore meilleure. Donc, et le dos de Stéphane, mis à part le côté évasé, bien qu'il a réussi à en prendre là, il est épais jusqu'en bas. Et de dos, tu le mets à côté de Florian. Je pense que Stéphane passe devant sans problème. Ok. Bah, bon, attendez, moins, parce cette que année, qu'est-ce que je fais je travaille mes jambes comme un ouf et je travaille mon dos comme un ouf. Et je suis drivé de fou. Tu vois, c'est bien aussi d'avoir des inspirations en musculation, moi qui ai Gundy, du coup. Parce que au moins, cette personne, tu l'écoutes. Tu vois. Il faut se faire taper par Gundy pour vraiment se dire « Ok, je change ma prog. » Parce que tout seul, je ne pensais pas penser. Ouais. Tu sais que tu manques de quelque chose, mais au point de te faire tacler. Yeah. Vous voyez, je ne comprends pas ce genre de mouvement. Il a les avant-bras totalement perpendiculaires au sol, mais la poulie, elle, vient de côté. Alors que sur la Watson, la poulie, l'écartement est totalement réglable. Pourquoi ? Tu vois, ça me fait exactement ce que je pensais. Enfin, c'est bien, j'aime bien quand même. Mais du fait que j'ai des prises, des poignées, pardon, je tourne un peu en neutreté. Ouais. Tu cherches la position la plus confort. Ouais, c'est ça. Oh putain, moi c'est lourd. Ouais, c'est pas, putain. Ouais, elle est lourde. Et puis en plus, t'as les forces de frottement qui vont changer. Et puis on dirait pas comme ça, mais je fais 81 kilos. Hein. Je suis un poids plume. Hein. Même si je fais 1m84. T'as 1m84, il est vachement plus grand que moi. Je suis super léger. Bah, le gros de deux, gros, mais ouais, pas. Les mouvements de poussée, c'est la merde pour les poignées prime. Ouais, celle-là, ouais. C'est caca aussi. Mais on le verra ensemble. Si gros que ça, hein. Moi aussi, je fais 81 kilos. T'as combien, toi ? Je fais 80 kilos plus le poids des frites que j'ai mangé à midi. Et donc ? C'est-à-dire 81 kilos plus 13 kilos de frites. Ah, t'es remonté à plus de 90 ? Ouais, je suis à 94 en ce moment. Oh, enculé. Il a retrouvé le même poids. Ah, t'es à 94 ? Ouais, je suis à 94. J'allais dire, j'avais trouvé une excuse pour dire que je suis faible parce que je suis léger, mais en fait, il a fait le même poids. 94, il me semble qu'ils font sensiblement la même taille. Et puis, ils sont relativement propres tous les deux. Ah, peut-être que la morpho a un impact aussi sur le poids. Non, c'est vrai. Plus la myotypologie, etc. Que ça. J'ai trouvé mon excuse. 13 kilos de différence. Mais... Ah, il a un chouïa plus grand quand même. Hein. Il paraît beaucoup plus... 13 kilos de différence. Ouais, je trouve ça top. Ouais, plus galbé. 81 kilos, 94. Plus petit. Plus galbé. Comme représentation, tu vois. En vrai, s'il sèche, et il sèche vraiment, il sera à 85, un truc comme ça, s'il a la compte à peu près pareil que moi. Parce que on est toujours plus gras qu'on ne le pense. Ouais. Hein, et quand on doit réellement sécher, donc moi, je toque sur les bras, là, j'ai pas l'air si sec que ça, mais en fait, je suis assez sec. Bah, en fait, on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment loin. Ouais. Donc, ne ciblez pas forcément le poids de corps.
c'est lui la comp qui fait fissure en fait. Et généralement, bah, ce sera plus bas que vous le pensez. Ouais. Ouais, parce... C'est totalement vrai. Ça, c'est un problème chez les natis. C'est terrible d'ailleurs, parce que vous vous rendez pas compte quand vous vous lancez dans une sèche de compétition, le plus souvent, c'est là que vous allez descendre le plus bas. Vous vous dites, ok, j'ai 8 kilos à perdre. Souvent, c'est le double. Mais vraiment, vraiment, c'est le double. Surtout quand vous arrivez en fin de décharge, au poids le plus bas, vous allez être à 15, 16 kilos de perdu au lieu de 8. Parce que tu vois, tu dis 85, mais je pense même que tu es gentil. Hein. Parce que voilà, je vais avoir des veines sur les pecs, je vais avoir même des stries sur les pecs, sur les épaules, je vais avoir des veines, etc. J'en ai sur les triceps. Mais malgré ça, je suis conscient que je suis quand même fat. Et quand je vois quelqu'un qui va dire oui, j'ai 20 kilos à perdre, enfin même j'ai 10 kilos à perdre, alors que tu vois, il n'a pas une veine sur les bras, pas une veine sur les pecs. Mec, t'en as le triple. Ouais, pars du principe qu'il faut toujours doubler, voire tripler le poids que tu penses avoir à perdre. C'est ça. Déjà, c'est un truc tout con, je me suis jamais dit personnellement. Pierre, à quand la fissure? les poignets, les fat grip, ouais, 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 ça peut être bien. Je me suis jamais dit, j'ai tant à perdre. Déjà d'une, parce qu'une sèche, toutes les sèches sont différentes, donc tu ne sauras jamais combien tu as à perdre. Je ne me suis jamais donné d'objectif de poids. Tu sèches, puis c'est tout. T'as vu comme t'es maigre. Yes. Putain, ça va hurler, baisse le son. Yes. Anto, on aurait dû faire la bagarre. Je sais pas si vous savez, mais vendredi, il y a encore un réel avec Anto. Yes, yes. Encore. Pour moi, là, pour moi, ici, c'est le pire. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas l'idée. Vous voyez, son avant-bras, il est là. L'axe, il est comme ça. Mais la poulie vient de là. Oh, mais explosé. T'entends les poulies Cybex, comment ça glisse bien? Ce qui est intéressant, vous m'entendez toujours dire idéalement il faut aller le plus vite possible. Eh oui, tu peux la régler en haut. Même Ronnie gueule moins 400 kilos. 360, ok. Et à chaque fois que je fais des séries, on me dit que je m'entraîne lentement. Oui, c'est marrant, mais en fait, c'est que il faut aller le plus vite. Même pas en mangeant 100 grammes de sucre. Et ben, attends un peu, bouffe que des pizzas, bourrées de sel. C'est pas avec le sucre que tu vas devenir diabétique. Bouffe des pizzas, sel, sucre en même temps quand même. Et tu vois, attends un petit peu. Vite possible, mais il faut travailler suffisamment lourd pour que la perception de l'extérieur soit juste lente en fait. Tu vois, parce que là, je vais le plus vite possible avec la bonne technique. Mais c'est suffisamment lourd pour que bah, tu aies l'impression que c'est lent, alors que dans ma tête, je suis en mode putain, dépêche-toi. C'est vrai, putain, ça. Dépêche-toi, ça doit être explosif, mais c'est tout le temps comme ça. Tu vois, sur les tirages, là, avec la charge de Denis, vrai que je n'ai pas utilisé d'ailleurs, en fait, mais je ne peux pas aller plus vite que ce que j'ai fait. Vous avez vu comment c'est super lent, en fait? Parce que bah, je n'ai pas le choix. C'est juste imposé par la résistance que tu as choisie, tu vois. Mais par contre, si on avait mis le stack normal sans gym pin, déjà, un, on aurait fait plus de reps, mais deux, ça aurait été. Oh, les Cybex sont bien, les Life Fitness sont bien, les Watson sont merveilleuses, il y a des poulies comme ça, même les Matrix, c'est pas dégueulasse. C'est beaucoup plus vite parce qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt à le ralentir volontairement. C'est ça qu'on n'avait pas à répéter, tu vois. Tu sais que ce serait très intéressant de faire l'analyse des trainings de Ronnie. Merci Gundil. Et qui est encore un peu incompris, c'est que il faut aller le plus vite possible, mais si tu choisis bien ta charge par rapport à ce qu'on sait pour optimiser tes progrès, bah, tire lentement. Ta perception, en tout cas, sera que ça, c'est totalement vrai. Typiquement, là, mes élévations, tu vois. Je ne peux pas aller vite, sinon mon épaule, elle saute avec, je ne sais pas, 40 kilos ou un truc comme ça, tu vois. En fait, ton tempo d'exécution doit être adapté par rapport à la charge que tu utilises.
C'est sûr que si, par exemple, tu fais un 5 reps, tu ne devrais pas avoir le même tempo d'exécution que si, du coup, tu fais un 15 reps. Parce que si tu fais un 5 reps, tu vas avoir vachement plus besoin de la contrôler. Alors que c'est sûr que si tu pars pour 15 reps, bah, tout de suite, ton excentrique, il ira beaucoup plus vite. Et comme dit Lucas, il faut toujours chercher à aller le plus vite possible par rapport à la charge que tu utilises. Mais c'est la charge que tu utilises qui va déterminer la vitesse à laquelle tu vas aller. En d'autres termes, il y a deux points importants. Ta charge est dictée... Non, ta vitesse d'exécution est dictée par la charge que tu vas utiliser. Et deuxième point, ça va être la perception. C'est moi, hier, sans ma neuvine. Non ? Qui va être subjective en fonction de l'individu qui va regarder ton set. Parce que toi, tu vas avoir un avis. Lucas va en avoir un autre. Chose, moi, je vais en avoir un autre. Mais c'est bien, au moins c'est nuancé. Je pense que c'est rien, parce que je pense à pomper. Pralins on 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 Non, fait, ouais, en fait, ça fait super longtemps que j'ai pas posé. Quoi. Non, poser quand t'es pas encore là où tu veux être en comp, c'est trop dur. Ouais. Typiquement les poses de profil à cause du bas du dos. Mais là, tu vois, ouais, j'ai, raison, j'ai pas mal. Tiens, ma zone de stockage préférentielle, elle est ici, du coup, dans le bas du dos. Au contraire, ça vous permet aussi de voir qu'on est tous pareils. Là, ils sont en train de parler de zone de stockage de fat et de rapport avec soi-même. Mais c'est bien, ça vous montre aussi qu'on est tous pareils. Et en plus, quand j'ai commencé du coup le retour... Alors quand je dis tous pareil, c'est pas sur la zone de stockage, c'est juste la perception qu'on a de soi. Tout prime, j'avais encore de la merde ici. Ouais. Donc c'était sûr que j'allais pas la perdre. Ouais, ça m'améliorait direct. Et surtout, j'étais à un body fat où je me sentais pas bien. Donc j'avais ce besoin de remonter mon body fat. Et là, je suis à un stade où actuellement, je suis bien dans mon body fat. Actuel, j'arrive à le conserver depuis du coup un bon petit moment et j'arrive à rajouter du muscle par-dessus. Et là, en ce moment, je suis très haut en calories et je sais qu'il y a un moment où, quand je vais commencer à arrêter de progresser, tu vois, actuellement, bah, je vais drop mes cales, ça va améliorer ma compo et ça me fera un autre objectif de progression. Mais là, en ce moment, je me sens juste trop bien comme ça, j'explose mes perfs, tu vois, et j'ai pas ce besoin d'aller plus bas, surtout que tu vois. Bah, je suis pas non plus ultra gras. Non. Ouais. Non, mais moi je dis souvent, vous vous fixez. Moi j'ai tout sur le ventre et sur le bas du dos. Si un jour je me mets à boire de la bière à outrance, tu peux être sûr que je vais finir comme tous les mecs avec le gros bid à bière. Par contre, c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a un certain confort à avoir. Votre body fat, c'est une chose. On veut tous être sec, mais personnellement, je sais que. Les abdos très apparents, pour ma part, je ne suis absolument pas productif à la salle. Je suis obligé d'être un peu plus fat que ce que voudrait Instagram pour progresser. En fonction de vos préférences et comment vous vous sentez, votre seuil de tolérance max. Mono-abdos, mais, peut-être pas quand même. Mon seuil de tolérance max, qui est proche de ce que j'ai là, bah, c'est pas le vôtre en fait. Hein, c'est vous qui... Disons que je ressemble plus à Nassim qu'autre chose. Alors pas en fin de prise de masse, pas celle qu'il avait fait dégueulasse. Mais je suis obligé d'être assez fat si je veux être performant à la salle. C'est obligatoire pour moi. Qu'il fixait. Mais il y a vraiment un passage où je voyais Mike Strater en parler tout à l'heure dans un clip qui mettait « Si la bouffe ne vous apporte plus rien, arrêtez de bouffer plus en fait. » Genre si manger plus, ça vous apporte que des désavantages, arrêtez de bouffer plus en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu passes ton temps à digérer, ça baisse tes performances d'entraînement. Mais pourquoi tu manges plus en fait? C'est ce qu'il disait dans son clip. Aussi, c'est vrai. On s'en rend compte. T'es en foot coma permanent parce que tu passes à 5002 calories parce que no pain, no gain. Ta vie, c'est de la merde. Ton corps, il est éclaté. Ton entraînement, il est pire en pire. Arrête de bouffer en fait. Tu vois, le progrès n'est pas dans la calorie. On va chercher les calories pour nous aider à progresser. Instance, mais en gros, tu les utilises déjà pour te sentir bien et pour faire en sorte que tu progresses. Et tu vois, si le seuil de tolérance max de Denis, il est à environ, je pense, encore 3 kilos de là où il est actuellement, bah, il est très bien là maintenant. Il va y arriver progressivement avec son léger surplus. Et quand il sera à son seuil de tolérance max qu'il aura fixé lui-même, en fonction de comment il se sent et ce qu'il fait à l'entraînement. Putain, c'est fou, hein, comparé à l'autre vidéo où il était là, Lucas.
sa dernière vidéo où on a fait, je suis désolé, elle était complètement éclatée. Là, c'est bien, c'est nuancé, c'est bien. Même Denis, bien, j'aime bien. Je like et je m'abonne. Bah, il reviendra un petit peu en arrière pour se remettre un petit reset, en gros, et pas perdre de muscle. Et puis, il recommencera. Typiquement, ce que je te disais, Rémi, juste avant, où bah, tu fais ton yo-yo dans ta zone idéale pour progresser en permanence. 1er janvier comme 31 décembre. Comme ça, tu fais du muscle, tu fais de la masse en permanence. C'est ce qu'on dit dans le podcast avec Antoine. Il n'y a pas de prise de masse, il n'y a pas de sèche. C'est juste que tu crées un environnement qui est idéal pour prendre du muscle. Et toute ta vie, ton objectif, c'est de prendre du muscle. Exactement. Jamais ta vie, tu te mettras dans une grosse sèche, parce que jamais dans ta vie, tu te seras mis dans un gros surplus inutile. Et voilà, tu as 5 ans de progrès gratos sans jamais sécher. C'est ce qui fait des physiques, c'est ce qui fait des ponts physiques, en fait. Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a trop de personnes qui ne comprennent pas qu'aucune situation n'est irréversible. Il y en a, ouais, ils se sentent bloqués, en fait, dans leur prise de masse, bloqués dans leur déficit, et qui, en fait, juste, il y a tous les indicateurs qui font que ça ne va pas, mais ils persistent, ils insistent. Mais pour... comme tu dis, genre, si tu fais que bouffer et que bouffer plus ne t'apporte rien, mais juste pourquoi tu continues ? Si tu essayes de perdre du gras et que autour de toi, tu n'arrives pas à maintenir ton cut à cause de ton environnement, à cause de plein de facteurs, mais encore une fois, continue pas. Tu peux, en fait, rien n'est irréversible, mais tu peux très bien faire des mini-phases de genre même 2 à 3 semaines où tu remontes à maintenance, où tu descends à maintenance, ou même ça peut être des phases un peu plus longues. Juste, en fait, adapte toujours par rapport à ce qui est le mieux pour toi, mais ne t'enferme pas dans quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'on dit souvent, ouais. Alors, je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. D'ailleurs, il est peut-être là. Alors, c'est une personne non native, mais cette personne-là n'arrivait pas à manger et à prendre de poids. Bon, la personne était déjà à 122 kilos, propre. Et je lui ai donné un conseil parce qu'il avait envie de manger plus, mais tel qu'il était physiquement, parce qu'il m'a envoyé les photos, si j'avais été son coach, je lui aurais dit, mec, mange pas plus, ça sert à rien. Si tu progresses à la salle, ça ne sert à rien. Ne mangez pas plus pour autant. La phase de surplus, c'est 1 an, 2 ans, bref, tu dures sur ton surplus. Ben non, si pour toi, c'est cyclé, mais sur une période beaucoup plus courte, des périodes de surplus, de maintenance, de déficit, de surplus, et que ça match avec ton environnement et tout ce que tu aimes. Un street food en Inde. Il n'y a pas de le timing idéal pour faire un surplus, c'est temps. Le timing idéal pour faire un déficit, c'est temps. C'est toi qui fixes les modalités au niveau de ta deadline, au niveau de du temps que tu as à disposition. Et tu sais ce que je disais, ma première vraie fissure, elle est arrivée 5 ans après que je commence l'entraînement. Qu'est-ce qu'il entend par fissure ? En 5 ans, donc du premier jour à la première fissure sur Internet que vous avez peut-être connue à l'époque, j'ai pas séché une seule fois. Donc je me suis jamais mis dans un état d'esprit de perte. Je me suis toujours mis dans un... Bon, en même temps, j'étais vraiment skinny, je fais 67 kilos pour commencer, 1m84, donc j'avais beau. Alors, je réponds à sa question. Cette question, tu penses que c'est possible de prendre en étant en maintenance ? Tout à fait. Si, encore une fois, si vous êtes en maintenance et que vous progressez à la salle, votre composition corporelle va changer. Vous allez faire du muscle, vous allez perdre du gras et vous allez progresser quoi qu'il arrive. Vous mangez comme un sac. Je prenais jamais vraiment, j'avais jamais l'impression de tout d'un coup. Ah, fissure rétinienne, c'est ça qui te parle. D'accord, ok. Le moment où il s'est trouvé au top physiquement. D'accord. Bon, c'est spécial, mais ok. Devenir bah, trop gros, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est facile dans ce contexte. Mais en gros, à aucun moment, je me suis dit, ok, je cherche à perdre du gras. Non, j'étais toujours dans le mindset, mange, entraîne-toi. Entraîne-toi beaucoup, mange, entraîne-toi beaucoup, mange. Et donc, du coup, en 5 ans, j'ai jamais séché, pas une seule fois. Pendant mes périodes power building, tout ce que peut-être vous avez connu ou pas, jamais séché. Donc, forcément, quand tu compares un mec qui a passé 5 années d'entraînement assidu à ne jamais être dans un déficit provoqué par la calorie, donc de la fatigue provoquée par la diète, comparé à un mec qui passe son temps en déficit, bah, c'est le jour et la nuit. Donc, quelle serait la meilleure recommandation à donner à quelqu'un ? Traquez vos calories, bordel de merde, hein, pour savoir bah, justement où vous situez, ce que vous avez besoin de manger. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ça. Même en étant natif avec 5 ans de training, par exemple, bien sûr, même avec 10 ans, 15 ans, tout à fait. Est-ce que j'ai de la place pour du coaching ? Oui, mais je ne le dis pas encore, sinon ça va être le bordel. Mais là, je l'ai dit en live devant 300 personnes. Oh merde. Même après 10 ans d'entraînement, bien sûr. Même après 15, 20, tout à fait. Ouais, et comme ça, bah, vous n'avez jamais allé être dans un environnement où vous êtes fatigué parce que vous ne mangez pas suffisamment.
et vous n'allez jamais créer un environnement où vous allez devenir trop grain par rapport à votre seuil de tolérance, bah parce que vos calories, elles sont regardées, donc vous ne mangez pas trop. Exactement. Traquez vos calories, s'il vous plaît. Merci. Tiens. C'est pour vous que je dis ça, en fait. Hein. Moi, j'ai déjà réussi. C'est... c'est vrai. C'est vrai. Mais pour vous, ouais, traquez vos calories. On n'a pas une série à faire. Si, vas-y. J'avoue, j'ai toujours pas fait la première. C'est la prime. Putain, c'est pareil, c'est une abomination. C'est pas que c'est une abomination, c'est juste que elle est opti pour rien. Enfin, pour rien. Déjà d'une, t'as intérêt d'être grand, en fait, surtout. Et si t'as les bras longs, tant mieux. Mais alors, si t'as les bras courts, juste pour attraper et placer tes bandes, tes sangles là, je peux vous dire que moi, je galère. Hein. T'as dit quoi, Mathias? Copie? Car Prime fait pas de rouge. T'es sûr? Yes. Je te dis, t'es sûr, t'es plus calé que moi à ce niveau-là, donc ouais, je te crois. Mais bah, même la Prime, dans tous les cas, c'est caca. Non, au moins, des pastilles de mimole. Yes! Yes! Ouais, les techniques me dérangent beaucoup. Yes. Surtout là. Je comprends pas. Je comprends pas l'idée, là. La force vient de là, là. La force, elle va faire ça. Pourquoi tu tires par là? Au début, la courbe, c'est marrant parce que ces genres de machines, si tu les essaies et que tu mets pas tes charges de travail, tu te dis un peu de la merde là-haut. Hein, il y a une courbe de résistance et les machines sont créées pour ça. Et finalement, quand tu fais tes séries de travail avec tes charges de travail, là, tu te dis oh bordel de merde, je vois. Oh, je comprends, tu vois. Ce qui en fait une super machine. Mais bon, voilà. Il faut faire ces sets en conditions réelles pour comprendre l'avantage de Prime, je pense. Et j'avais déjà relevé ça sur pas mal de leurs machines, notamment les Rowing. C'est perturbant, les courbes de résistance qui changent à ce moment-là. Et, mais une fois que tu fais tes sets et que tu t'y habitues, bah là, ça porte bien son nom, c'est Prime, quoi. Ouais, c'est pas Prime, du coup. Ouais, c'est une belle copie, en tout cas. Enfin, vu de l'extérieur. Ah, là, le petit bar Arsenal. Horrible. Tu sens que la fatigue commence à arriver parce que on parle de moins en moins. Là, c'est pareil, le positionnement me dérange. La prise aussi, le passement des coudes. Bon, je suis tata sur la technique, hein, attention. C'est pas une attaque personnelle, encore une fois. C'est juste que je suis tata sur la technique. Hey. C'est plus joli déjà. Je suis entièrement d'accord avec toi, Ruben. Pour moi, il y a 100 fois trop lourd. Et du coup, c'est pas bon. Et il venait du fond. Je me suis dit, est-ce qu'il veut aller la lock là-haut ou est-ce qu'il veut rack, tu vois? Ouais, c'est vrai, t'as pas le. Il y a plusieurs. En fait, c'est le jargon du. Au début, je vais commencer, je vais faire lock. Après, je vais le dire plus vite. Lock, lock. Et après, il veut. Le baptême de Lucas continue. Après le pantalon bariolé, c'est le tour de la chemise à carreaux. Là, je me sens bien accueilli dans la famille. Bon.
Eh ben, c'était bien. Non. Pourquoi les gens avec des longs bras ont plus d'avantages lors des tirages lorsque leurs amplitudes sont plus grandes? Va voir ma story sur le moment de la force. Tu vas comprendre. Que vous en pensez? Ouais, je pense que la semaine prochaine, on regardera le Corona Gym et où moi, c'est Mike. Mais je vous préviens tout de suite, ça va être très difficile pour moi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai fait une analyse à crédit. Il m'a dit que les tirages, c'était pas pour moi parce que j'ai très longs bras. Ça dépend dans quelle mesure il te l'a dit. Qu'est-ce qu'il a entendu par là? Il y a certains tirages qui sont possiblement pas bons. J'ai toujours apprécié les frères gallois. Bah écoute, là je les découvre au final. Et j'aime bien. Tu fais un live tous les mercredis. J'essaye de m'y tenir. Mais honnêtement, là ces dernières semaines, ça a été compliqué. Mais ouais, j'essaye de faire un live tous les mercredis. Pas de questions ? Ouais, t'as pas de force sur tes muscles des bras, donc ton dos il prend. Bah ouais, c'est une bonne chose pour le dos. Ah, les bras longs. Dans l'éventualité de coaching ouvert, ce qui n'est pas le cas, quelles seraient les conditions minimales à remplir pour y prétendre? Bah, je demande quand même 50 trainings non-stop. C'est-à-dire que si vous arrivez avec 5 ans, mais comme Loukoum, avec des années d'espace, non, je peux pas. C'est pas que je peux pas, c'est juste que. Juste les corrections vidéo pour le training, on va prendre 6 mois, les gars. Il y aura la rediff. Ouais, il y aura la rediff, toujours. Moi, c'est Mike, je le vois très souvent dans ma salle. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'entraîne pas par rapport à sa morpho. 3 heures de séance, que des dégressifs. Ouais, certainement. Parce qu'il est jeune. Comme Loukoum avec des années. Ouais, voilà, la même chose. 4 ans non-stop, grosse passion. J'essaie de vendre un rapide. Ouais, 4 ans. Bah, en fait, ça dépend de ton niveau. Si tu me dis 4 ans, non, si vous me dites 4 ans et que vous avez le physique de vos 4 ans, ça me va. Ils maxent toutes les machines, mais ils n'ont pas le physique de leur perf, je trouve. Ça devient compensation musculaire. Ah, ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Potentiellement, les séries sont peut-être trop courtes et qu'ils ont une myotypologie qui est pas adaptée à ça. Je ne suis pas sûr qu'il se soit posé la question à ce niveau-là, mais ouais je suis persuadé qu'ils prennent trop lourd, quoi qu'il arrive. Alors, comparatif Camaro vs la nouvelle. Ah ben, c'est simple, la Camaro, c'était 40 000 dollars, là on est sur 120 000. Donc c'est un V8, 500 chevaux, 6 litres 2, atmosphérique. Comment vous dire que c'est un délire juste à la démarrer. moi, j'ai pas le budget pour te prendre en coach. Je suis interne dans 4 mois et on en reparle. Eh ben, écoute, attends un mois et demi, il y a un truc qui arrive. Potentiellement, ça va grandement t'aider. C'est une marmule comme elle. Qu'est-ce que t'entends par marmule? Si je fais une prise de masse, que je te prends pour la sèche de compétition, je pourrais. J'ai 10 ans de salle. Bien sûr, ouais. Alors, si tu veux faire une compétition et que tu me prends juste pour la sèche, on va pas faire du bon boulot. Je vais pas connaître ton corps, ça va être contre-productif. Potentiellement, on va bien se planter même. Pierre, j'ai les bras longs, muscles courts et une instabilité du nerf, c'est ta faute. 3 ans, ça passe aussi. 3 ans, c'est limite. Hein. Tu feras une vidéo sur le neurotypage. Pas tout de suite. Et les gars, le neurotypage, je m'y intéresse depuis un moment. Mais c'est tellement complexe que je n'ai absolument pas les compétences actuelles pour vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Je n'ai pas du tout le recul ni même l'expérience sur mes clients pour comprendre vraiment ce que je fais. Donc, pour le moment, je me fie aux travaux, évidemment, de Christian. Je me base là-dessus. Mais voilà, je reste... Il y a
plein de clients, la plupart de mes clients, je reste sur des bases, quelque chose de basique. Le neurotypage, vraiment, je l'expérimente que sur des clients à haut potentiel génétique, on va dire ça comme ça. Tu connais le youtubeur Geek and Fit? Je suis en étude de coaching sportif. Je me prépare pour une compétition l'année prochaine, mais je n'ai que 3 ans de salle intensive. Est-ce que c'est bon? Il n'y a jamais de bon ou mauvais moment pour monter sur scène. Faites ce que vous avez envie. Je fais médecine, j'y comprends à moitié le neurotypage. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je comprends, moi aussi. Alors, j'ai pas fait médecine, encore moins, donc je comprends encore moins que toi. Oui, c'est le meilleur résultat de sèche possible, d'où l'expression ressembler à un sac d'os. Merci Pierre, tu gères. De rien, Marie. Marie, on se voit demain? Je crois que oui. Visiblement, qu'est-ce qui mange le plus les pecs, selon toi, entre un delto latéral et un delto frontal très développé? Le delto frontal. Antérieur. Tu conseilles d'arrêter les compléments comme la créatine quand on a des petits soucis de rein? Non, c'est plus complexe que ça. Tu vas faire une vidéo spéciale épaule. Je pense que ce week-end, on va faire là-dessus de la programmation pour rattraper ses pecs. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Merci de m'avoir aidé à contacter Antonin. Avec plaisir. Anto, c'est le GOAT. Suivez Antonin. Boire ses glucides, genre jus de fruits, c'est mauvais pour les reins. Allez, vas-y, on part là-dessus pour les pecs. Des bisous, les gars. On se voit dimanche. On reste connectés sur Instagram. Et puis, merci d'être passé. Des bisous. Et à dimanche prochain, 10h. Je vous aime. Bye bye.